Bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire WebiConnect. J'aurai la chance d'animer ce webinaire avec Thierry Maria, responsable déploiement chez Yokis, et avec Eric Charéron, responsable projet IoT chez Rexel France. Et pour ma part, je suis en charge du marketing autour de la solution Energy Connect. Alors, donc, WebiConnect, c'est un nouveau format de webinar. C'est le premier aujourd'hui. Et donc, un webinar, c'est un format de 30 minutes. Les 10 premières minutes sont dédiées à notre actualité, Energy Connect, WebiConnect Pro. Les 15 minutes ensuite sont dédiées à un de nos partenaires. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Yokis. Et nous terminerons par les questions-réponses, ainsi que le témoignage d'un client. Donc, un nouveau format, et nous avons prenez déjà note du prochain rendez-vous, le 6 septembre, toujours à 18h. Le principe, je pense que vous êtes coutumés du fait, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet « Questions » qui figurera à droite de votre écran. On fera nécessaire pour répondre à l'ensemble de vos interrogations en fin de webinaire. Dans le cas où on manquerait de temps, nous mettrons nos réponses sur la page dédiée sur notre site Energy Connect. Et donc, ce webinaire est enregistré et à la fin de celui-ci, vous recevrez le replay par mail. Alors, je regarde rapidement au niveau des participants, mais on va commencer. Au niveau de notre actualité, donc on va mettre en exergue deux items. Depuis mars de cette année, nous avons lancé une formation Habitat Connecté, donc sur l'ensemble de la flotte en France. Donc une journée dédiée à la manipulation de notre solution Energy Connect. Donc l'objectif est de vous accompagner dans la montée de compétences sur le marché connecté, de pouvoir répondre à un besoin client et d'y répondre en fonctionnalité, en usage connecté. Au sein de cette journée, 20% dédié à la théorie, quel est le marché, où on va, et 80% dédié à la manipulation technique. Donc, l'ensemble des usages, l'ensemble des produits, des supports dédiés à l'offre connectée. Donc, suite à cette journée, vous aurez la maîtrise de l'étendue des usages et des produits connectés autour d'eConnect Pro et d'Energy Connect. Le format de la journée, 8h30, 17h30. Et cette formation est finançable via les autres. Depuis le début de l'année, donc sur l'ensemble de l'année 2021, nous aurons 40 sessions de prévues sur l'ensemble de la France, donc de mars à octobre, et nous avons déjà formé plus de 150 clients. On remarque, par rapport à l'enquête de satisfaction, que le taux de recommandation sur cette formation est de 4,9 sur 5. Donc ici, vous avez un petit visuel de la valise qui est réellement l'outil de support dédié à cette formation et vous avez la possibilité de manipuler l'ensemble des produits relatifs à notre offre. Donc, comment s'inscrire? Très simple. Donc, sur excel.fr, vous disposez d'une rubrique « Nos services » et sur celle-ci, les formations sont disponibles et en fonction du lieu, vous avez ensuite la visibilité des dates disponibles sur la région souhaitée. N'hésitez pas à aller consulter cette partie du site. Une nouvelle également qui passera en prod mi-juin. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour disposer de documents pour promouvoir et donner de la visibilité à l'offre connectée pour vos magasins, pour vos showrooms, pour vos sites internet. Sachez que sur eConnect Pro Web ainsi que sur l'application eConnect Pro, vous avez une nouvelle rubrique qui vous permet de télécharger et d'avoir l'ensemble des documents qu'on vous met à disposition. Donc, c'est de la fiche, c'est des kakémonos, c'est nos logos avec les règles graphiques, des brochures qui sont personnalisables et des photos pour alimenter vos différents supports. Donc, vous pouvez imprimer des documentations, héberger des visuels sur vos sites internet. Donc ici, on ne voit pas très bien, mais au sein de eConnect Pro Web, vous avez sur le petit point d'interrogation, vous avez un champ qui est outil de communication.
Donc, n'hésitez pas à venir télécharger les documents. Je vais laisser la main à notre partenaire Yopis pour cette deuxième partie. Merci Léna. Donc, ce sera toi qui passera les slides, hein, puisque c'est toi qui as la main sur la présentation. Donc déjà, je voulais remercier toute l'équipe Rexel de nous permettre d'être partenaire sur ce premier format de webinaire. Alors, juste un petit rappel rapide, je pense que la majorité des gens qui sont connectés avec nous ce soir connaissent déjà Yokis, mais de manière à replacer un petit peu tout ça dans le contexte, Yokis, qui fait maintenant partie du groupe Urmet depuis 7 ans, existe depuis 20 ans. Nous avons été les premiers à faire du micro-module en France sur le marché. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a une certaine légitimité sur le marché du micro-module, que ce soit pour faire de la rénovation ou des installations connectées, ce qui correspond tout à fait à l'environnement Energy Connect. On était sur du 100% Made in France et on est toujours aujourd'hui sur du 100% Made in France. Nous faisons d'ailleurs partie de la French Fab. Et un point que je garde et dont je fais la promotion à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui, le matériel Yokis n'est vendu que dans le domaine du réseau professionnel, donc chez les grossistes en matériel électrique. On n'est pas sur de la GSB, quel que soit ce niveau-là. Aujourd'hui, Yokis, c'est 16 ingénieurs dédiés recherche et développement, y compris des développeurs sur les environnements iOS et sur les environnements Android, plus des techniciens cloud, 5 techniciens terrain et 2 hotlines, une hotline dédiée aux professionnels qui est sur un numéro non surtaxé. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, on vous donnera effectivement les informations à la fin de ce webinaire en passant par l'onglet questions. Sinon, vous retrouvez toutes ces infos sur le catalogue, bien évidemment. Et puis, une hotline dédiée aux utilisateurs depuis l'arrivée justement de cet environnement connecté où le but, c'est d'arriver à répondre également au client final. Mais cette fois, ils sont sur une hotline un petit peu particulière. C'est un numéro surtaxé de manière à filtrer les appels qui, effectivement, ne serviraient pas forcément à grand-chose. Produit garanti 5 ans, ça je tiens également à le signaler, on a été les premiers sur du produit électronique à faire 5 ans de garantie. Et pour ceux qui connaissent Yokis, bien évidemment, on ne sait pas faire le zéro défaut, on est comme tout le monde, mais on essaye de s'en approcher au maximum et on a un taux de retour qui est suffisamment faible pour pouvoir en parler justement. Je te laisse avancer Léna. Tu veux que je le présente Thierry ? Vas-y Eric. Voilà, sur la compatibilité, en fait, le partenariat n'est pas nouveau. Donc, on a déjà intégré pas mal de choses, la plupart de la gamme Yokis, notamment la partie variation pour l'éclairage, l'automatisation à travers soit les portes de garage ou les portes de portail, des ouvrants en général, une fenêtre, et puis d'une façon un peu différente, la partie télécommande, donc pour utiliser les modules de Yokis télécommande en tant que lanceur de scénario dans le cadre des solutions, que ce soit sur la solution, bien sûr, d'ambiance ou la solution en riding, donc on a la capacité d'utiliser cette télécommande pour lancer des scénarios. Donc c'est ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant et on intègre dès aujourd'hui, donc là c'est une nouveauté, la partie chauffage électrique à travers l'utilisation du module fil pilote qui lui permet de piloter donc les radiateurs fil pilote. Voilà. Tout à fait. T'as tout très bien résumé, rien à dire de ce côté-là. Donc, cette application Yokis Pro, qui est donc cette partie nouveauté que peut-être certains d'entre vous, en tant qu'installateurs, connaissaient déjà, c'est une application qui a été créée justement sur l'environnement Yokis de manière à faciliter au maximum la vie de l'installateur. Aujourd'hui, quand vous faites une installation radio, que ce soit pour faire de la rénovation ou qu'elle est à terme pour but de faire une installation connectée, le seul facteur en fait où nous en tant que fabricants on ne pouvait pas vraiment intervenir, c'était sur le temps justement de ce paramétrage et de la pause. Alors le temps de pause n'a pas changé bien évidemment, par contre on a essayé de faire un outil dédié justement à l'installateur de manière à ce que vous puissiez avoir une expérience de paramétrage et de mise en œuvre beaucoup plus simple que ce qu'elle pouvait l'être jusque-là. Donc, c'est une application qui est gratuite, bien évidemment. En fait, il n'y a que la petite clé que vous voyez sur le côté de la tablette qui vient se connecter sur le port de la tablette et qui va permettre justement de communiquer en radio avec les différents produits de l'installation, que ce soit des récepteurs ou des émetteurs. Donc, le but, cette application va vous servir aussi bien à faire des installations radio
que des installations connectées. Jusque-là, effectivement, ça ne permettait de faire des installations connectées que sur l'environnement purement IOKIS. Malheureusement, il n'y avait pas cette intégration Energy Connect. Aujourd'hui, effectivement, l'avantage, et c'est pour ça qu'on est là sur ce webinaire, c'est que vous allez également pouvoir vous servir de cette application, de cet outil IOKIS Pro pour faire la mise en œuvre des produits IOKIS dans l'environnement Energy Connect. Ça vous permet également de garantir une évolutivité de l'installation, puisque ben, si demain, effectivement, le client chez qui vous avez déjà installé, par exemple, du volet roulant, souhaite rajouter des récepteurs pour faire de l'éclairage extérieur ou autre, vous allez pouvoir complémenter cette installation également depuis l'application IOKIS Pro. Et puis, quand on parle de sécurité de fonctionnement de l'installation, on a vraiment voulu avoir une application de paramétrage qui soit différente de l'application du client final pour faire justement son pilotage. C'est-à-dire que depuis cette application de pilotage, il n'a pas la possibilité d'aller sur des réglages extrêmement pointus ou sur des réglages qui pourraient modifier le comportement d'un récepteur. Donc, toute cette partie réglage se cantonne uniquement justement à cette application IOKIS Pro, ce qui garantit que le client final n'ira pas toucher des paramètres qu'il n'aurait surtout pas dû toucher. Je te laisse avancer la slide. Donc, cette application IOKIS Pro, encore une fois pour ceux qui ne la connaissent pas, le but c'est de tout simplement créer un plan de l'installation. Donc, c'est une tablette, hein, c'est tout simplement du dessin. Vous allez schématiser les différentes pièces que vous aurez sur votre installation, principalement où seront installés bien évidemment les différents récepteurs. Donc, c'est tout simplement des rectangles. Vous avez la possibilité de créer n'importe quel type de pièce et automatiquement les pièces sont nommées. Vous avez la possibilité de les renommer. Mais si vous avez par exemple plusieurs chambres, automatiquement vous avez un compteur qui vient s'incrémenter de manière à ce que, même si vous ne changez pas les noms, toutes les pièces aient un nom qui soit différent. Ensuite, on a un système de détection automatique des modules, de mise à jour des différents produits également depuis l'application et la IOK. Le but, c'est d'avoir également un système de paramétrage qui soit simplifié. Jusque-là, où vous aviez besoin effectivement d'appuyer X fois sur un point de commande pour régler une temporisation, par exemple, aujourd'hui, l'application vous permet de le faire également directement, de placer les produits sur le plan, et vous avez également la possibilité de créer des boîtes de dérivation ou des tableaux électriques, parce que c'est pas parce qu'un module va piloter, par exemple, l'éclairage du salon que le module doit impérativement être dans le salon. Il peut très bien se trouver au niveau du tableau électrique, si jamais c'est un produit modulaire. Donc, ça permet d'avoir sur le plan une indication comme quoi le produit ne se trouve pas dans le salon, mais qu'il est tout simplement dans le tableau électrique. Et puis, le but, c'est également d'ajouter, paramétrer ou dupliquer différents points de commande en complément des fameux lanceurs de scénarios dont parlait Eric tout à l'heure. Point relativement important, cette application vous permet également de générer automatiquement un rapport de chantier au format PDF de manière à ce que vous puissiez le remettre à vos clients, ce qui permet de valoriser le travail qui a été fait de ce côté-là, puisque ben, si vos clients vous voient en train de faire l'intégralité du paramétrage sur la tablette, ok, ça aura un aspect qui est assez technique et assez moderne. Par contre, certains d'entre eux qui ont déjà l'habitude de comparer avec certains produits qu'ils auraient pu trouver en GSB pourraient très bien se dire, si j'avais su, je l'aurais fait moi-même, ça m'aurait peut-être coûter moins cher. Quand vous remettez un rapport qui est quand même assez bien ficelé, bien détaillé, sur un format préétabli et bien propre, avec également le nom de votre société qui s'affiche, ça permet vraiment de valoriser le job que vous avez fait et ça coupe court à tout ce genre de discussion que pourra avoir le client envers vous en tant qu'installateur. Donc, au niveau de l'environnement Energy Connect, on ne va pas retrouver 100% de ce qu'on a sur l'environnement IOKIS, quoi qu'on s'en approche très fortement. Vous allez bien sûr retrouver tous les produits d'éclairage, donc télérupteurs encastrés ou modulaires avec antenne extérieure ou pas, les produits variation, donc le télévariateur en encastré ou modulaire, modules volets roulants qui permettent de piloter toute motorisation, ça peut également être effectivement des stores, faire de la centralisation ou également des brise-soleil. On va retrouver de quoi piloter des automatismes, donc portail, porte de garage, portail coulissant, que ce soit par l'intermédiaire du dernier module qui est sorti dans la gamme, à savoir le MAU, qui est principalement dédié aux automatismes FAC, mais vous aurez la possibilité également de le piloter en mode impulsionnel avec le télérupteur. Et puis, la petite nouveauté, comme l'a dit Eric tout à l'heure, c'est l'intégration d'un module chauffage fil pilote, pour piloter tout ce qui est chauffage électrique et faire de la même manière de la centralisation.
Vous allez pouvoir également régler les différents points de commande du logement, donc que ce soit des émetteurs encastrés, des télécommandes ou des télécommandes murales, comme vous pouvez le voir au niveau de l'écran. Et puis, l'application vous donne également la possibilité de piloter directement les émetteurs qui sont présents dans les moniteurs vidéo d'Interphonie Urmet, que ce soit les kits villa ou que ce soit les produits qui sont destinés à faire du collectif. Donc, ils peuvent être considérés comme un point de commande pour les différents produits de l'installation, mais également comme des lanceurs de scénarios dans l'environnement Energesy Connect. Alors, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Tout simplement, à partir du moment où tout ça aura été créé sur l'environnement Energesy Connect, le Yokis Pro, je me mélange un peu, désolé, tout ce qu'il y aura à faire, effectivement, c'est, comme vous le montre le petit schéma sur la partie supérieure, une fois que tout ça s'est créé, il y a un petit bouton qui dit « l'envoyer vers une box partenaire ». Automatiquement, ça rentre dans le périmètre du cloud Energesy Connect et vous avez ensuite la possibilité de récupérer l'ensemble de ces informations sur votre application Energesy Connect pour finaliser le paramétrage et puis ajouter des produits qui sont également compatibles avec l'environnement Energesy Connect puisque Energesy Connect, c'est une box multiprotocole. Oui, alors comme on vient de le voir, le produit Yokis Pro, il est bien complet, il permet de faire pas mal de choses et il vous permet au moment de l'installation sur votre chantier de paramétrer énormément d'éléments, notamment les pièces, les usages. Donc c'est un travail qui est déjà fait. Donc finalement, nous, notre travail, c'était surtout de récupérer ce qui avait été fait par Yokis Pro plutôt qu'intégrer des nouvelles choses. Donc une fois qu'on a pu faire son chantier sur la tablette, par un simple bouton, donc vous exportez comme vient d'expliquer Thierry, vous prenez l'application Connect Pro sur laquelle vous n'avez qu'à scanner le QR code qui est présenté par l'application Yokis Pro et ce qui va permettre au cloud de se mettre en relation pour échanger les données du chantier que vous avez pu créer juste avant et paramétrer. Donc c'est un intérêt fort, c'est-à-dire qu'auparavant il fallait prendre module par module et les appairer dans le cadre de la box Energesy Connect, c'est plus le cas. On flash un QR code ou éventuellement on rentre le code à la main, on récupère l'intégralité automatiquement des équipements Yokis. Et on va choisir ou pas de récupérer les noms d'usage et les noms de pièces qui ont été définis dans l'interface Yokis Pro. L'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir relancer cette configuration plusieurs fois, puisqu'un chantier peut évoluer, parce qu'on a pu faire une petite erreur sur une partie de chantier. Donc sur la partie 2, ajout de chantier Yokis Pro, on scanne le QR code, on choisit si on veut écraser les noms des pièces, les usages, on valide, et là on obtient sur la troisième partie ici, équipement intégré dans OC Pro, la liste des équipements Yokis avec leurs usages. Et là, on peut continuer comme on le faisait comme on le fait sur les interfaces OC Pro avec les tests, tester le module, qu'il est fonctionnel dans l'environnement Energesy Connect et qu'on peut renommer. Puis on a toute une gamme d'actions. Mais en tout cas, la partie commissioning, tout le début, l'installation du chantier est faite et il n'y a pas plus d'éléments techniques ou d'éléments à échanger entre les deux plateformes. C'est automatique par un simple flash. Je vais juste rajouter un point effectivement dont j'ai omis de parler tout à l'heure et qui a quand même pas mal d'importance. Jusque-là, effectivement, en fait, on avait une certaine limite sur l'environnement Energesy Connect, puisque dans la très grande majorité des chantiers, il n'y avait pas de bus radio qui était créé de manière à faire communiquer les modules Yokis entre eux. Donc en fait, la limite qui était retrouvée principalement, c'était la portée radio qu'il pouvait y avoir entre l'emplacement de la box Energesy Connect et la petite clé qui permettait de parler en protocole Yokis et les différents modules d'une installation. Il y a effectivement un process qui existe sur l'environnement Energesy Connect, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément hyper simple, ils ont fait au mieux pour l'intégrer, mais ça revient à faire ce qu'on faisait sur un environnement purement manuel. L'avantage également de cette application Yokis Pro, c'est de pouvoir justement lancer en automatique la création d'un bus radio. Ce bus radio va permettre aux modules de pouvoir communiquer entre eux en fonction de l'environnement qu'ils arrivent à voir autour d'eux, ce qui fait que demain, quand votre contrôleur Energesy Connect voudra parler avec un module Yokis, même s'il n'est pas à portée directe, ça passera justement par l'intermédiaire d'autres modules Yokis pour aller parler avec ce module qui n'était pas à portée directe du contrôleur Energesy Connect. Donc ça, pour nous, c'est un réel avantage et ça va permettre justement d'avoir une expérience installateur et une expérience client qui soit bien meilleure que celle qu'elle était jusque-là parce que justement, le réseau en étoile ne permettait pas d'augmenter les portées de manière significative.
Alors, pour terminer de mon côté, également vous parler d'une autre application qui existe chez Yokis, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà. C'est une application gratuite qui s'appelle Yokis Guide. Alors certains pourraient penser effectivement qu'elle n'est là que pour être un simple catalogue. Il y a bien plus que ça. Il y a effectivement toutes les notices, les schémas. L'avantage d'une application, c'est une mise à jour qui se fait quasiment automatiquement dès qu'on a de nouvelles choses à pousser. Ce sont également des guides, des actualités, des événements, des tutoriels vidéo et un espace pro qui vous permettra effectivement de savoir ce qui se passe autour de vous. S'il y a une animation qui se fait chez Rexel, comme certains comptoirs gagnants en ce moment, que ce soit chez Rexel, chez SCT ou j'espère bientôt chez Espace Elec, vous serez mis au courant. Donc n'hésitez surtout pas à la télécharger, bien évidemment elle est gratuite et vous verrez qu'il y a énormément d'informations qu'on peut trouver directement sur cette application. On sait que vous n'avez pas toujours les catalogues, on sait que les notices partent parfois à la poubelle avec la boîte et puis votre client vous demande de régler une temporisation finalement, donc ça vous permet de récupérer l'intégralité de ces informations-là. Mais ce qui est important également, c'est cette partie tutoriel vidéo qui vous permet d'avoir des différentes aides en ligne et de pouvoir récupérer certaines petites choses que vous auriez peut-être justement pu oublier sans avoir cette application. Merci beaucoup Thierry, on a respecté à la minute le temps dédié sur cette première partie. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Donc, je vois que Nada, notre super modératrice, nous a classé les questions sur l'onglet des questions, qui sont plutôt pour toi Thierry. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre où elles sont apparues, effectivement. La première question, c'était le thermostat n'est pas fabriqué par Yokis. Déjà, le thermostat ne fait pas partie dans l'environnement Energy Connect, donc ça, c'est effectivement la première chose. Et oui, tout à fait, le thermostat n'est pas fabriqué par Yokis. On nous a demandé d'avoir une solution, effectivement, donc on s'est mis en relation avec un fabricant qui a intégré à l'intérieur de quoi piloter effectivement un télérupteur Yokis en radio. Donc en fait, à l'intérieur de ce thermostat, il y a un émetteur Yokis qui permet de discuter en radio. Il n'est pas intégré dans l'environnement Energy Connect, puisque sur l'environnement Energy Connect, il y a déjà des thermostats. Donc le but, c'était de peut-être également d'éviter la surpopulation qu'il pouvait y avoir de ce côté-là. Ensuite, on a une autre question qui est, le bus radio fonctionne-t-il sur des phases différentes? Alors, si on parle de filaire, non, mais là, on parle bien de bus radio. Le bus radio est censé effectivement fonctionner sur des phases différentes. Là où le bus radio risque de ne pas fonctionner, c'est quand on intervertit phase et neutre sur l'alimentation des modules. Autant le module va sans problème être détecté, par contre, dès qu'on va faire une connexion, quelle que soit la méthodologie, que ce soit avec Yokis Pro ou que ce soit en manuel, entre deux modules pour créer un bus radio, à partir du moment où on inverse phase et neutre, on perd toute notion de communication entre les deux modules. C'est comme s'il y en avait un qui parlait normalement et l'autre qui parlait verlan. Bien évidemment, les deux produits fonctionnent, hein, on est sur de l'alternatif. Par contre, ils n'arrivent pas à parler entre eux. Donc, le point réellement important, c'est surtout de bien s'assurer que les connectiques phase et neutre soient bien respectées. Ensuite, Yokis Pro est un kit livré avec tablette. Oui, tout à fait. Bah, alors là, quel est le coût? Nous, on a un prix tarif, mais là, je vous laisserai vous rapprocher de Rexel. Je ne veux pas spoiler de ce côté-là. Rassurez-vous, ce n'est pas extrêmement cher. C'est fourni avec une tablette. Alors, suivant les différents modèles, on a eu de l'Arcos, on a eu de la Lenovo. Là, on a actuellement une tablette qui tourne aussi très bien, dont je ne me rappelle pas la marque. Par contre, il suffit, en fait, si vous avez déjà une tablette Android au format 10 pouces, assurez-vous par contre qu'elle soit sur une version Android assez récente, hein, c'est 5.5 ou supérieur, et puis surtout qu'elle ait un port OTG. Le port OTG, c'est ce qui permet de donner de l'énergie à ce qui est connecté. Donc, la Yoke, quand elle communique en radio, bien évidemment, elle a besoin d'énergie puisqu'il y a cette communication radio qui s'établit. Mais si, par exemple, vous êtes sur de la Samsung, il n'y aura absolument aucun problème. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'acheter le Kitty Pro, vous avez besoin d'acheter uniquement la Yoke, qui est aussi disponible chez Rexel, bien évidemment. Et l'application Yokis Pro, elle est gratuite. Vous la téléchargez directement sur le store Android.
Et puis après, Yokis Pro sur iPhone. Alors non, l'application Yokis Pro aujourd'hui, telle qu'elle est faite, elle est faite pour fonctionner sur un écran de 10 pouces minimum, parce que dessiner des pièces sur un écran de téléphone, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et puis, comme la Yoke est le produit qui va faire l'intermédiaire entre les différents récepteurs de l'installation et la partie application, quand on a commencé les développements autour de tout ça, malheureusement, chez Apple, il fallait faire un gros chèque pour pouvoir se servir du port Lightning et faire passer des infos, alors que chez Android, c'était pas le cas. Donc, vu que c'est un outil de paramétrage, on a préféré ne le faire uniquement que sur Android, de manière à laisser l'application 100% gratuite. En fait, la seule chose qui est vendue, c'est justement la Yoke. Et bah, c'est comme tout ce que vous pourriez avoir dans vos véhicules aujourd'hui pour travailler, comme une visseuse par exemple, vous n'en avez pas 50 dans le véhicule, c'est pas une par chantier, c'est une sur l'intégralité de vos différents chantiers. Et puis pareil pour la tablette, hein, du moment qu'elle est chargée, vous allez pouvoir faire autant d'installations que vous le souhaitez. Une seule Yoke vous permet de faire autant d'installations que vous voulez. Une question vient d'arriver également là. Quelle est la distance de communication max entre les modules? Alors, encore une fois, dans le monde des fabricants, vous avez les portées catalogues et puis vous avez la vraie vie. Les portées catalogues, c'est ce qu'on appelle le champ libre. Donc ça, c'est sans obstacle, sans rien, à savoir un parking de supermarché, par exemple, où là, on va à plus de 250 mètres. Mais dans la vraie vie, le but pour nous, c'était que les modules arrivent à communiquer, par exemple, du rez-de-chaussée à l'étage en passant la dalle ou d'une pièce A vers une pièce B. Après, dès qu'on rentre dans des configurations un petit peu plus compliquées, comme des anciens corps de ferme ou autres, où on peut très bien retrouver des murs en pierre relativement épais, 60-80 cm, ou si vous êtes sur un environnement fortement métallisé, il va y avoir une sorte de cage de Faraday, et comme tout produit radio, bien évidemment, vous risquez d'avoir des portées qui sont limitées. L'avantage de l'utilisation du Yokis Pro, justement, c'est de pouvoir utiliser d'autres produits qui serviront eux-mêmes de répéteurs pour aller sur des portées de plus en plus élevées. N'y a-t-il pas de problème de portée si on n'utilise pas la même face sur un réseau tri? À partir du moment où les modules sont à portée l'un de l'autre, non, justement, on retombe sur les mêmes choses. Et puis là, à combien est la limite de portée dans une ambiance métallique? Là, c'est purement empirique. Malheureusement, je peux pas vous donner de distance. Hein. Ce serait certainement abusé et malheureusement, ça correspondrait pas forcément à la réalité des choses. Moi, je peux vous dire que dans le bâtiment où il y avait Yokis avant, qui était un bâtiment purement industriel, alors certes, on n'avait pas de piliers métalliques au milieu de la structure, mais par contre, on était sur un environnement complètement métallique sur tout le pourtour de l'installation. On arrivait sans problème d'un bout du bâtiment à l'autre et on avait à peu près une centaine de mètres. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est plus, mais sur un environnement comme celui-là, ça fonctionnait très bien. Une alarme compatible Yokis. Alors oui, il y en a bien une, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui pour des raisons évidentes de compatibilité avec l'environnement Energy Connect. Du coup, le bus radio fonctionne si les modules sont sur des compteurs différents. Alors oui, ça peut le faire à partir du moment où ils ont été scannés au même moment. Alors je ne sais pas quel est vraiment le but de cette question, mais même s'ils sont sur des compteurs différents, à partir du moment où ils sont reliés entre eux et que bien sûr les modules sont tous alimentés, parce qu'un module qui n'est pas alimenté ne peut pas répéter une information radio, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Merci Thierry, je rebalaye rapidement les questions, beaucoup de choses sur la portée. Ah, une nouvelle, je vous propose éventuellement cette dernière. Que devient le Yokis Hub après transfert dans Energy Connect Pro? Eh bien, si vous avez l'environnement Energy Connect avec le contrôleur Energy Connect, le hub ne vous sert clairement à rien, puisque le Yokis Hub, c'est l'équivalent d'une box Energy Connect, à part que le hub n'est pas multiprotocole, puisqu'il ne parle que le langage Yokis. Donc, si vous êtes sur un environnement Energy Connect, le Yokis Hub, clairement, ne vous sert pas. Par contre, il n'y a rien qui ne vous empêche de l'utiliser sur un autre chantier où vous n'aurez qu'un environnement Yokis dans ces cas-là. Est-il possible de mettre un module dans une boîte de dérivation étanche avec gel pour les éclairages extérieurs? Oui, et ce que je pourrais vous conseiller dans ces cas-là, c'est de prendre le module avec antenne extérieure, donc télérupteur, référence MTR2000ERPX, où vous avez la possibilité de délocaliser l'antenne pour la faire sortir de la boîte, justement. C'est vrai que sur un environnement extérieur, on a bien souvent tendance à mettre les boîtes dans des endroits, des regards ou autres. Donc, le but de mettre du gel, c'est d'étanchéiser complètement la partie électrique.
Je prends la dernière, ça te va, Léna ? Allez. Dans des églises, peut-on répéter le signal pour passer les piliers ? Oui, il n'y a pas de limite sur le nombre de modules qu'on peut mettre pour qu'ils puissent parler entre eux. Je vous donne un exemple tout bête. On pourrait très bien imaginer d'avoir un émetteur à la maison et un récepteur au niveau du portail qui serait à peu près à 200 mètres de portée. Si jamais depuis l'intérieur, on ne peut pas joindre le portail qui est à 200 mètres pour X raisons, ce qui semblerait quand même logique, on peut très bien rajouter en extérieur un ou deux récepteurs, même s'ils ne sont pas pilotés, même s'ils ne servent à alimenter absolument aucun circuit d'éclairage ou autre, le fait juste de les alimenter phase neutre leur permettra de devenir également répéteurs d'informations. Très bien, merci beaucoup Thierry, beaucoup de questions par rapport à cette actualité donc, qui passe en production lundi prochain. Et nous créerons également une page sur notre site internet pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur le parcours client. Merci à tous d'avoir été présents à ce premier webinaire. On vous propose de terminer ce petit webinaire par une petite vidéo qui va nous être lancée par Nada. Nous vous remercions et à bientôt. À bientôt, merci, au revoir à tous. Au revoir. Je suis Thierry Kilivic, entreprise QT Électricité à Groyer dans le Tarn. Donc la formation sur le contrôleur Energizini Collect me permet de faire le lien entre le monde filaire, donc étant partenaire KNX, et le monde des objets connectés en une seule application pour le client. La formation elle permet donc de manipuler tous les objets, voir l'application et nous permet de voir tous les protocoles qui sont compatibles avec le contrôleur Energizi Connect. À l'issue de cette formation, je me rends compte que j'ai un peu plus les moyens de mieux répondre à la clientèle, de mieux choisir les produits en adéquation aux attentes du client, quoi. Oui, la formation, je la recommande à toute personne, débutant ou confirmée, hein, dans le milieu du connecté, des objets connectés, de faire la formation pour réellement voir le contrôleur Energizi Connect et son application. Merci et à bientôt.